Get hyper. Hey yo, salut les campus, c'est Thibaut, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve donc aujourd'hui sur Far Cry 3, pardon, sauvegarde 1, c'est parti, je lance en survivant. Alors on se retrouve sur Far Cry 3, alors j'ai acheté ce jeu, pardon, je sais pas si vous avez suivi un petit peu l'histoire sur Twitter. On se retrouve donc aujourd'hui, premier jour des soldes. Et je vois des tweets qui parlent de Game, et oui, il y a effectivement Game qui est en dépôt de bilan, et qui bradait tous ses jeux, tous les jeux neufs d'occasion, tous les jeux neufs étaient à moins 60%, toutes les consoles et accessoires étaient à moins 30%, et voilà, donc j'en ai profité aujourd'hui pour acheter Far Cry 3, donc je ne l'ai pas payé bien cher, je l'ai payé 29,30€ exactement, je regarde le ticket, voilà, 29,30€. Tout neuf, je suis bien content, il y a beaucoup d'abonnés qui m'avaient parlé de ce jeu. Et j'en ai donc profité pour l'acheter. Allez, c'est parti, je sais pas si je vais vous faire un let's play ou pas sur ce jeu. Vous me laisserez en commentaire votre avis hein, sur le sujet. Je sais pas si vous voulez voir un let's play dessus. Moi, je vais commencer à kiffer tranquillement. Je vais fermer un petit peu ma bouche, c'est parti. Alors déjà les couleurs sont très très vives, ça fait plaisir. Alors je sais pas si vous voulez que je fasse un let's play ou pas sur le jeu, mais je vais faire tout comme, hein, pendant qu'il y a des cinématiques, je vais pas trop parler, hein, je vais jouer comme si j'étais dans mon salon tout seul, et puis voilà, basta, hein, rien faire de spécial. Cool, le téléphone. J'adore ce téléphone. Alors là, on peut bouger un petit peu les yeux. Alors, c'est qui nos clients? Grant et Jason. De Californie, hein? Hein? Bah, j'espère que papa et maman vous aiment vraiment beaucoup parce que deux petits blancs comme vous, ça sent le fric. Et c'est bien, moi j'adore le pognon. Pardon, quoi, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux que je t'ouvre en deux comme ton copain? C'est ça? Ferme ta gueule! Ok? C'est moi qui ai les couilles ici! Alors, c'est du Peggy 18, hein, je vois que les textes sont un petit peu crus. Regarde-moi dans les yeux! T'es ma chose. C'est moi le roi ici. Et toi, tu la fermes ou tu crèves. Qu'est-ce qu'il y a, Jason? Hein? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu rigoles plus comme là-haut tout à l'heure? Pourquoi vous rigolez plus? Vous ne trouvez pas assez drôle? Moi je sais. Je sais ce qu'il y a. Dans le ciel, vous étiez sûr de gérer. Loin, en plein dans les airs, vous étiez sûr de tenir votre vie au bout de vos doigts. Mais maintenant, vous êtes ici. L'atterrissage est rude. Ça va aller, on va se calmer, ça va, parce que toi, moi, et ton frérot la brute, on va bien s'éclater en attendant que le fric arrive. Arrête d'effrayer les otages, va plutôt t'occuper des rebuts. J'espère quand même que vous serez un peu plus marrant que vos amis. Allez, à plus. J'aime bien la voix du mec, par contre. Vous manquez déjà, je vous jure. Bon, alors, je vois qu'il essaye de se détacher, ça y est, c'est fait. Quel fils de pute. Je connais pas les boutons, je connais absolument rien. C'est vraiment le début, là, ma première. Je viens de mettre le jeu dans la console. Hein. Ah bah au final c'est toi qui la ferme. Merde, voilà ce que nous apprend à l'armée.
Allez, c'est parti. Ne vous faites pas repérer. Ok. Je vais essayer de le rejoindre un peu plus. Te lève pas. Ok. C'est vrai. T'es vraiment un connard. C'est un pauvre loser. Les parents sont friqués. On aura plus de blé pour lui que pour n'importe lequel des autres. Je me suis toujours demandé dans quel état je serais mentalement si j'étais dans. Alors attendez. La jauge de détection apparaît quand les ennemis peuvent vous voir. Ok. Didacticiel. D'accord, ok. Ouais, donc je disais, si j'étais otage quelque part et tout, je me suis toujours demandé dans quel état je serais mentalement. Ça doit pas être quelque chose de facile à vivre. Hein. Faut être vraiment fort. Oh putain, les chiens. Ah, c'est la boucherie là. Donc comme je le disais au début, hein, vous me direz si vous voulez voir un let's play sur le jeu ou pas. Hein, je vous fais d'abord une première découverte. Tranquillement. Alors, jeter une pierre pour détourner l'attention, hein, on profite, bon. Cache-toi. Ok, ça a marché. On y va. Ok, j'arrive. Bah, les phases d'infiltration, c'est pas ma spécialité, je suis plutôt un bourrin, moi. C'est pour ça que les Splinter Cell, les Hitman, les trucs comme ça, c'est... Bah, c'est pas trop mon délire. Ok, Tomahawk. Grande, je peux pas. Jay, regarde-moi. Je retrouverai jamais Lisa, ni Riley, ni les autres, sans toi. Alors maintenant, tu te ressaisis. D'accord? Ok, je suis désolé. Bon, d'habitude, hein, je fouille un petit peu de partout. Bon, là je vais je trace tout droit. Moi, je refais les... Oh, oh. Qu'est-ce qui se passe? Je refais les succès une fois que j'ai fini le jeu, moi, en général. Alors, par contre, au début, j'ai monté un petit peu la sensibilité. Ça a l'air un petit peu rapide, là, on verra. Là-bas. Ça va. On continue. En tout cas, moi, je suis équipé d'un Triton X-Pro. Je peux vous dire que c'est super agréable au niveau de l'ambiance sonore. Casse de gaming, hein, c'est pas que pour Call of Duty, les gars. Hein. Franchement, dans tous les jeux solo, c'est vraiment excellent. Totalement plongé dans l'ambiance.
jamais dû sauter comme ça, sans savoir. J'avais promis à papa de veiller sur Riley et toi. Tu vois où est Riley sur la carte? On va le retrouver. Après, on va libérer les autres. Et ensuite, on pourra rentrer. Oh! Ok. Et moi je pue comme un bourreur pour me tenir. Un cours, Forrest, cours. Je sais pas si votre génération connaît Forrest Gump. Ah, c'est un film que j'aime énormément, Forrest Gump. Bordel! Putain, ils ont lancé les chiens en plus. Come on, come on, come on, come on! Ah, ils auraient pu rajouter quelques vibrations. Ah, ça y est, les vibrations sont arrivées, mais un peu tardivement. Enfuyez-vous dans la jungle. Faut que je foute le camp. Effectivement, il faut foutre le camp. Ah ! Purée ! Mais non ! Ah là 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 ! J'étais concentré à courir comme un bolos là, j'ai même pas sauté. Je sais pas où ça va me ramener. Ah, par contre, les loadings, voilà quoi. Faut pas que je meure. Hein. Alors. Bon, je sais pas combien de fois je vais mourir. Je m'excuse d'avance. J'espère que je vais pas faire n'importe quoi. Théma, il soigne tout seul, le mec. Oh, what? C'est un ours, ça? Voilà, j'entends le monde derrière moi, là. Tous en train de me chasser. Je sais pas si on peut voir l'hélico. Il faut que je retrouve Riley et les autres. Toi. Qu'est-ce qu'il y a? Elle aime pas tuer les gens, lui, j'ai l'impression. Il est pas à l'aise avec ça. Hein. Putain, il y a les cabots derrière, là. What? Ouais. Oh là 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 là. Ah, c'était donc la pré-intro. Bon, il y a beaucoup, vraiment beaucoup de personnes qui m'ont conseillé le jeu. J'espère vraiment qu'il est sympa. Je vais pas regarder de test ni quoi que ce soit. Là, j'ai vraiment fait confiance aux gens. J'ai fait ni le 1 ni le 2. Je connais juste deux noms. Allez, premier succès. 10 points G, premier sang. Success! Et tu trouveras la solution.
je suis. Qu'est-ce que... Te voilà réveillé. Ah. Pas complètement. Ton bras est encore engourdi, le temps de finir le tatouage. Nager avec des requins, c'est très courageux, mais se faire bronzer sur une plage avec des pirates, c'est de la folie. Si tu le veux, tu as le droit de me tuer. Mais moi aussi, j'ai ce droit sur ta vie. Je suis Dennis. Jason. Bangao. Lava, lava. Le héron, le requin et l'araignée. Je sais qui tu es, Jason. Tu es un guerrier. Et le tatouage te permettra de révéler ta vraie nature. Écoutez, mon grand frère a été assassiné. Je dois retrouver mon petit frère et 4 de mes amis. Viens avec moi. Vous allez m'aider ? Il n'y a que toi qui puisse t'aider. Moi, je vais te libérer. Ouais. Qu'est-ce que je fais ici ? Ah, c'est la teuf ou quoi là ? Je t'ai trouvé sur la plage. Bienvenue au village d'Amanaki. Un endroit magnifique, non ? Selamat Tangahari. Je vous présente Jason Brody, l'homme qui a réussi à échapper à Vaas. Ouais. Ton évasion est le signe que le vent a tourné. Notre peuple attendait ce genre de nouvelles. Alors, ça, c'est votre peuple ? Cette île n'accueille que les plus forts. J'y ai été appelé. Ses habitants, les Rakyat, m'ont accepté. Je fais partie de la tribu désormais. Elles sont charmantes, non ? Magnifiques, ça peut dire. Salut les filles ! Celles que je veux. Mais mon cœur a déjà trouvé preneur. Tiens, de quoi acheter des armes ? Tu veux sauver ton frère, n'est-ce pas ? J'ai jamais tiré sur personne. Qu'est-ce qu'on dit dans ton pays ? Rien n'est impossible aux gens décidés. On va pas dire non. Ok. Alors, là on est en mode exploration. Ok, guide de survie. Ok. Bonne question. Qu'est-ce que je veux acheter ? Alors, j'ai combien ? 60 sur 1000, ouais. Achetons. Hein. D'accord, c'est un système un peu comme Mass Effect. Bah, pour l'instant, ça suffit. Sans elle, je ne peux pas connaître les stocks des autres villages. Et croyez-moi, ils stockent souvent du super matériel. Ah ouais ? On verra ça, hein. Alors suis-moi, mon ami. Faire un petit... attendez, je vais faire un petit tour du côté du succès rapidement, là. Alors. Ah, ok, ils sont... Ah non, j'allais dire, ils sont tous secrets, mais non. Ok, la plupart sont secrets. En général, ceux qui sont secrets, c'est juste qu'il faut suivre le jeu d'une façon assez linéaire. Bon, allez, je voulais juste jeter un petit coup d'œil rapidos. Ici, l'énergie provient de la jungle. Armes gratuites. Acheter des armes, non. Hein. Active. Ok. Partout dans l'île,
Navas utilise chacune de ses tours pour voir l'île et localiser ses sbires. Ah d'accord, c'est ce genre de tour. Ce type d'appareil ne sert à rien en ce qui nous concerne. Bah, je ferai bien un tour dans le village, moi. Bah, je ferai la deuxième fois, une fois que j'aurai fini le jeu. Oui. Et ces brouilleurs sont au sommet. Je fais toujours le jeu d'une façon très linéaire la première fois, et après, je me refais les succès, etc. Alors, suivez données, sortez du village. Là, par contre, je vois tout... C'est quoi? Pourquoi ça brille? Je peux pas y aller? Si. Ok. What? Vous quittez la zone de mission, retournez vers... Qu'est-ce qu'il me raconte? Ouais, on va visiter un petit peu. Hein. J'ai juste un petit tour à Pidos. Oh, je peux pas ouvrir. Ça doit être la tour radio. Effectivement, ça doit être la tour radio. Alors ça, on m'avait dit que c'était une des spécialités de Far Cry, ce sont les... C'est la végétation, les grandes plaines. Alors, rendez-vous... Pylône radio. Y'a pas d'ennemis, là. Non ? Si ? Non ? C'est quoi ce bruit ? Un serpent. Ok. C'est un serpent. Bon, on va se faire plaisir. Des dollars, dollars. Alors, activez les pylônes radio pour révéler la carte, obtenir des armes gratuites, débloquer de nouvelles quêtes. Ok, ravitaillement. Ah, le soleil se lève. Je vais peut-être baisser un peu la sensi, tout à l'heure je verrai quand j'aurai des ennemis. Ouais, ne pas regarder en bas. Bah tiens, fallait pas me le dire. Ah, il y a une autre caisse. Neutraliser le brouilleur. Ah, je pense qu'il nous montre pas ces endroits pour rien. Mission réussie. La tyrolienne pour descendre plus rapidement. Elle est où la tyrolienne? Ok. Ah, cool. Hein? C'est fait. Bien. Montre-moi ta carte. Tu vois, tout ce que tu dois savoir t'a été révélé par la tour radio. Alors. Les aventures, l'île te parle.
Maintenant gratuit en magasin. De loin, Jason, comme toi, ils utilisent les tours radio pour faire du business et ils t'offriront des armes chaque fois que tu libéreras une tour. Le vrai guerrier doit chasser. C'est dans l'ordre naturel des choses. Regarde la carte, choisis ton terrain de chasse. Fais confiance à ton instinct. C'est la société qui t'apprend à perdre. Ah, je pensais pas qu'il y avait des histoires de cartes, d'objectifs, tout ça. Si tu veux sauver tes amis, tu dois connaître la jungle. Les peaux d'animaux et le cuir te permettront de porter plus d'armes et d'équipements. Les plantes peuvent être mixées pour créer de puissants médicaments pour te soigner, affûter tes sens ou t'avantager. Va, reviens me voir quand tu auras maîtrisé la jungle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis censé faire quoi? Écoute ton instinct. Écoute ton instinct. Ok. Bah, je vais essayer de bien écouter alors. Atteignez la zone de chasse. Bah, d'abord, avant d'atteindre la zone de chasse, je vais faire un petit tour. J'avais dit que je voulais faire un petit tour. Bah, j'y vais. Allons faire un tour au village. Voilà, maintenant qu'il fait jour. En plus, on peut pas parler avec les gens. On retourne au magasin. Ah, il y a un peu plus de trucs là. Mitraillette. Eh, c'est chérou. D'accord. Même des accessoires. Visée nocturne sur un flingue, non, je pense pas. Ah, c'est ça qui est gratos, je crois. Ah, j'ai cassé l'emplacement ? Viseur laser, 300$. Vas-y, je vais le prendre. Pas assez d'argent, what ? Ah oui, 135, je suis trop con. Bon, tant pis. Je sais pas qu'est-ce que je vais foutre ici, hein. Je fais juste un petit tour. Hein. C'est quoi ça, cette flèche? Et carrément, il y a des distributeurs de... Ok, des distributeurs d'armes. Ouais, c'est là où j'étais. Bon, allez, on va y aller. Hein. On va aller dans la jungle. Hein. Je vais faire un petit tour vite fait. Je sais pas par où je vais passer. Ah, faut bien que je regarde la map aussi, hein. Une bagnole, je peux la prendre? Ah, cool! Alors, chaque fois ils me disent d'appuyer sur start, ok, c'est dès qu'il y a... Alors, on va piloter un peu? Nouveau didacticiel. Alors, diriger, frein à main, regarder derrière. Changer de place. Ah, on peut changer de place aussi, carrément. Ok. Ah, ça, bah, ça a l'air bien grand, hein. Est-ce que j'ai pris la bonne route, là, hein? Ah, il y a des thunes et tout, là. Je vais m'arrêter deux secondes.
Cigarette écrasée. Ou quoi, je vois rien. Pourquoi je le vois pas? Il est dans l'arbre ou quoi? Bon bah tant pis, dans la baraque y'en a un aussi. Bon, je vais pas m'arrêter partout comme ça, hein. C'était juste pour voir s'il y avait rien d'important. Et je vais essayer de... Je peux tuer un truc là. Eh ben non, il prend pas ses balles. C'est quoi ça? Vous quittez la zone de mission. Bon bah tant pis hein. J'ai voulu voir ce que ça faisait hors zone de chasse. C'est par où là? Ah. Tuer et dépecer deux sangliers puis récupérer les trois types de plantes dans la zone. D'accord, on va commencer par les plantes. Voilà. Feuilles vertes, il y en a par là-bas. Je me souviens plus, il a dit deux sangliers et quoi? Putain. Et il m'en faut une bleue. Ah, j'étais pas dans la zone de chasse aussi tout à l'heure. Viande de chien. Bon, par contre, où est-ce que je vais trouver le bleu? Ah! Bah voilà. Alors, moi je vais pas appuyer sur start à chaque fois, juste pour les didacticiels. Hein. Peau de sanglier. Alors il me faut encore un truc bleu et une peau de sanglier. Putain, il m'est tombé sous le pif celui-là. Oh. C'est quoi, c'est un sanglier? Ouais, parfait. Non! J'ai plus de balles! Oh purée, j'ai plus de balles! Voilà. Ah ouais, tout à l'heure j'ai fait le con. Bon, maintenant il me faut une plante bleue là. Ah, il y a un... Je sais pas s'il est loin le truc. Ouais, certainement. Il me faut une plante bleue que je dois trouver dans cette zone. Je sais pas où je vais la trouver, j'en viens d'ici. De toute façon, ça doit être indiqué sur la map. Hein. Je vais... Ah! Comment ça? Là, je vais voir comment je peux faire. Hein. C'est quoi ce délire? Non! Ah, c'est cool ça! Ah ouais, nice! Faut carrément aller dans l'eau et tout. Alors, ouvrir la carte, choisir une icône de déplacement rapide. Déplacement rapide. Merde, putain, mais ça va trop vite! Ouais, je m'en fous, moi je veux juste retrouver ma bagnole. Voilà. Bon, alors ce qu'ils me racontent avec leur carte là.
Elle est où la carte, ça, mon... Magasin. Pour foutre un marqueur, mais je m'en fous, j'ai pas besoin pour l'instant. Putain, mais ils veulent vraiment que je le fasse. Ça y est, j'ai mis déplacement rapide. Ouais, je retourne là-bas. Je vais lui ramener tout ça, là, les plantes. La peau de sanglier. Vous quittez la zone de mission. Quoi? J'ai pas compris, là. Faut que je fasse quoi? Choisissez une icône de déplacement rapide et un déplacement rapide. Bah quoi, ça y est! Ah! Ok! D'accord. Une fois qu'on a rempli les conditions de la mission, enfin, si j'ai bien compris, on peut carrément se télétransporter directement. Ok, d'accord. Parler à Denis. Faut que je le retrouve, il est où? Il doit m'attendre là-haut. Là-haut, c'était par où déjà? Par là. Vous quittez la zone de mission? Ok. Ah non, c'est là où il y a le point jaune. Putain, mais je suis un triso. Enfin, j'espère que c'est ça. Ouais. Eh bah purée. Denis, j'ai les plantes et les animaux. Viens, tu vas imposer ta volonté à la nature. Je t'apprendrai. Confection, sac à butin. Alors, sers-toi de tes plantes pour fabriquer deux seringues. Sers-toi de tes plantes pour fabriquer deux seringues. Ouais. Créer. Voilà la deuxième. J'ai même trouvé des plantes plus puissantes dans la jungle, avec un peu de chance. Maintenant, utilise les peaux de tes gibiers pour transporter plus d'équipements. Tu peux confectionner de quoi transporter plus d'armes, d'argent. D'accord. Une dernière chose, le tatouage sur ton bras. Il signifie que tu es spécial, que tu as l'âme d'un guerrier. Tu progresses le long du chemin. Je vais te montrer comment les utiliser. Pour chaque tatouage, une compétence est maîtrisée. Tu peux décider de maîtriser trois disciplines différentes. D'accord. Là, je vais t'apprendre l'élimination. Ok, ah, on voit le tatouage qui se forme. Alors, maintenez RB pour dégoupiller une grenade et relâcher. Ne laissez pas exploser votre. Ok, ouais. Vas-y, on va apprendre. Ok, coup de cut. D'accord. Ah bah c'est cool, c'est qu'il y a une réelle évolution. Apprendre cette compétence. Ah ouais. Pas mal le camouflage sur son téléphone. C'est quoi cet avant-poste où ils détiennent Lisa? Les avant-postes sont des places fortes partout sur Rook Island. Grâce à eux, les pirates de Vaas contrôlent tous les environs. Donc va falloir qu'on se batte. Oui. Là, c'est vraiment joli, hein, sérieux. En sauvant ton ami, tu fais d'une pierre deux coups. On est en guerre contre Vaas. Pour récupérer l'île, il faut
prendre les avant-postes aux pirates. Quand on en rend un au Ragyat, la zone devient plus sûre. On peut voyager plus vite et des occasions... Les couleurs sont très vives. ...de guerriers apparaissent. Qui est dans la voiture? Des guerriers Ragyat, de vrais Ragyat, qui vivent au... Ça manque un petit peu de vibration par contre. Hein. Vous allez dire que ça sert pas à grand chose, mais c'est un petit détail. Mon frère, c'est la seule façon de les revoir en vie. Tu t'es enfui du camp d'esclaves. Tu as survécu. Tu dois te battre. Les hommes sont égaux. D'ailleurs, je peux voir si je peux baisser un peu la sensible. La baisser tout de suite. Voilà. Pourquoi il me demande tout le temps d'appuyer sur Start? C'est bon, on a vu la Jeep, t'es content, voilà. Ciao. Note sur la confection. Progresser dans la voiture pour débloquer de nouvelles recettes. Ok. Putain, c'est relou ça. Hein. Éliminer tous les pirates de l'avant-poste. À distance ou de t'infiltrer. C'est ton choix. Alors, maintenant LB pour rien. D'accord. De toute façon, j'ai pas grand-chose, quoi. J'ai deux grenades et mon fusil d'assaut. Bon, c'est par où, là? C'est bon, on y va, là? Se mouvoir en silence. Lisa, j'arrive. Bon, alors là, par contre, ouais, c'est une phase d'infiltration, ouais. Là, faut que tu tues un pélo par derrière aussi. En silence. Voilà, ça c'est bon. J'en avais besoin. Eh mais en gros, vous savez quoi les gars, je sais même pas ce que je dois faire, moi c'est pas grave. Voilà ce que je veux. Il n'y a pas d'eau, Toto. Ah putain, je crois que je me suis fait redave, non? Alors, gagner des XP pour obtenir des points de compétence, ok. Pour progresser dans la voiture pour débloquer, d'accord. Ah putain, il y a un pélo là-bas. Oh là là. Je retourne, hein. Je retourne la map. Ah putain, ah mais... Oulala, ils m'ont vu! Enfin, ils m'ont vu. Ils ont repéré au moins le cadavre. Il m'a vu, lui? Il m'a vu, il m'a pas vu, il m'a vu, il m'a pas vu, il m'a pas vu. Ok. Bon, ils ont repéré au moins le cadavre, ça c'est sûr. Je me dirigeais vers ce drapeau rouge, là. Le cabot, si tu pouvais la fermer, s'il te plaît. Quoi? Ah, ok, voilà, voilà. Et voilà. Ah là, j'étais obligé. Putain, bah, vas-y, j'y vais. C'est bon. Nique sa mère, infiltration. Moi. Ok, bah je peux pas. Je suis obligé de le buter. Putain! Le viseur est pérave. Hein.
Ah oui, éliminer tous les pirates et moi je fais de l'infiltration. Vas-y, la prochaine fois je rentre dans le tas, moi. C'est bon, ça a rien de faire des chichis là. Ah ouais. Foncez dedans. Lisa, où es-tu? Faut pas fouiller, hein. C'est... Lunettes de soleil, carrément. Bon, alors, on va s'occuper un petit peu des plantes, de reload, on va faire un petit tour, voir ce qu'il y a à ramasser. Inflammable, cette recette est prête pour la confection. Ouais, ouais, bon, on verra ça tout à l'heure. Ils veulent tout le temps que j'appuie sur Start, toute la journée. On va aller voir les coffres. Ah ouais, je fonce dans le tas la prochaine fois. J'ai voulu faire... tenter le coup de cut là aussi. Comme il est montré dans le didacticiel. Ah bah y'a pas de Lisa, hein. L'avant-poste près d'Amalaki a été attaqué. Où est la prisonnière américaine? On l'a perdue. Quoi? Mais elle a pris la fuite dans l'ouest de cette putain d'île. Je t'en dirai plus quand on y sera. Elle s'est enfuie. Jason, tu fais honneur à ton tatouage. Tu es digne de suivre la voie du guerrier. On a trouvé un de tes amis à la maison coloniale. Chez le docteur Hernal, à l'ouest. Mais ne t'inquiète pas, l'endroit est sûr. Le docteur attend ton arrivée. À l'ouest? Vous savez de qui il s'agit? Non, mais nous allons continuer d'essayer de trouver les autres. Je t'avertirai par radio si j'ai des infos. Bombe le torse, Jason. Bombe le torse, ouais. Très impressionné. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il va me demander, là? Faire un truc rapide encore, c'est ça? Indisponible pour le moment. Putain, j'ai même pas écouté en vrai ce qu'il m'a dit le pélo là. Sécuriser l'avant-poste, mission réussie, ok. Cool story. Activer les nouveaux points, rendre la région plus sûre pour voyager, débloquer de nouvelles quêtes. D'accord. Ah, j'ai l'impression que si, enfin, s'il y a un système comme ça au niveau de la durée de vie, le jeu ça peut être pas mal. Chaque refuge contient un magasin automatisé. D'accord. Eh mais il y a des didacticiels qui... à l'appel là. Approchez-vous des rochers coloniens. Pour commencer le défi, ok. Classement, youpi. D'accord. Ça va aller là. Alors, voyons. Nouvelle quête de ravitaillement. D'accord, on va commencer par ça. Exterminer les chiens enragés avant nos kinetic. D'accord. Ah ouais, c'est ça, début du jeu, plein de didacticiels, de fou là. Charlon. Ah, franchement, je sais pas quoi faire. Hein. Franchement, je sais pas quoi faire. Je vais voir le point jaune là-bas. Est-ce que je peux prendre la bagnole ou pas? Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent pas? N'est pas les gars? On va voir le point jaune là. Hein. Pas de route là. Vas-y, pour aller à gauche, je fais comment?
Merde. Y'a pas de route là, faut que je fasse demi-tour. Putain. Bon bah je pense qu'il y aura plein de phases comme ça dans le jeu où je vais être perdu. Vu que c'est pas trop linéaire, machin, il y a une carte à suivre, machin, etc. Désolé, hein. Écoutez la zik. Alors, hein, équipez-vous. D'accord. Alors, j'y suis. Donc, je dois tuer les chiens ou je sais pas quoi, c'est ça, non? Ils sont où vos chiens? Chiens enragés. Ah, par là-haut. Attends, faut que je reprenne la bagnole? Où vos chiens enragés là? J'ai pas vu un point tout à l'heure, j'ai plané ou quoi? Attends. Vas-y, je vais descendre. Ça se trouve, c'est juste dans la jungle comme ça là. Il semblait avoir vu un point jaune tout à l'heure. J'ai plané, putain, mais sérieux. C'est où, il est où leur coffre, au fait, là? De sous terre. Ouais, enfin, bref. Je cherche des chiens enragés, là. Y'a rien sur la carte. Coffre caché, objectif en cours. Non, y'a rien. Bon bah tant pis, hein. On va faire un petit tour, hein, on verra bien. Hein. Complètement perdu là. Déjà, commence bien. Je sais pas où je vais, rien, je sais rien. Bon alors c'est ici que j'ai ramassé les armes. Ah mais j'avais pas vu, il y a un truc écrit 110 mètres. Oh là là, j'avais pas redev. Eh ouais, j'avais pas vu ça. Quoi, 5 ans? Pourquoi ça bouge plus? Ah c'est sur la droite peut-être, non? Par là alors. Ah bah voilà. Il y en a combien hein? Faut que je fasse n'importe quoi. Hop. 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 Non 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 non. Non 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 non. Hop. Voilà, mais oui, j'avais pas vu. Succès déverrouillé. Bah voilà. Ah, désolé, c'est une première, les gars. Hein. Je vais reprendre la bagnole si je la retrouve, parce que je sais pas où je l'ai posée, là, du coup. Qu'est-ce qu'il y a? Non! C'est qui ça?
Mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais purée! C'était qui ceux-là? Putain, mais il vient me chercher le mec, hein. Tiens, tu vas rien attraper du tout. Ça dégage. Oh, j'ai plus de balles. Oh, j'ai plus de balles. Oh my god. Je vais te manger tout cru. Je suis obligé de l'attaquer. Voilà. T'as rien mangé du tout, mon pote. Par contre, j'ai plus de balles là. Faudrait pas que. Oh, une tortue. Ah, c'est vachement bien, elle est vachement bien faite en plus. Ah là là, mais faut grave se promener en fait dans la forêt. Bon, ma voiture. Oula, faut que je retrouve ma bagnole, autrement que je prenne la leur. Hein. D'accord. On verra ça après. D'accord. Mort de rire. Attends, mais c'est quoi cette tête de mort là? Ah ouais, c'est juste une mission. Comment je fais pour retourner chez Michel là? Putain, je suis complètement paumé. Je dois retourner parler à Einhardt, je sais pas quoi là. Avant poste d'Amanaki. Vas-y, je vais voir. Vas-y! Merci. Eh ben purée. Ça s'annonce bien. Hein. Eh ben du coup, je vous fais une super grosse vidéo là. On en est à combien? On en est à... Ah ouais, presque une heure quand même. Quand même. Pas tarder à arrêter, je pense. Hein. Parce que déjà, au niveau de l'upload, ça va être... Ça va être temps d'axe. Alors. Prendre la carte mémoire. Hop. Des lettres perdues pendant un, des relais cachés. Ok. On prend tout ce qu'il y a à prendre. Par contre, je dois aller parler à quelqu'un, je sais pas qui ni où. On va essayer de suivre le petit point d'exclamation là. Par où je vais aller? Par là. Qu'est-ce qu'il y a? T'es en galère? J'espère que c'est pas un guet-apens, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ma voiture est foutue. Vous pouvez m'aider? Un outil est nécessaire pour réparer cette voiture. J'ai pas d'outil, mon pote. J'ai pas d'outil, désolé, ciao. J'essaie de me diriger vers le point d'exclamation, là. Hey, traversez pas la route comme ça, là. On d'une pipe, là. C'est qui, ceux-là? Vas-y, je fonce dans le tas. Bam, dégage. Bam, dégage. Putain, mais pourquoi il y a autant de monde, là? Point d'exclamation, il est sur la droite, mais... Cool pare-brise. C'est quoi ce point d'exclamation, là? Oh là 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 là, vas-y, je me casse.
Et ça se trouve, je suis un truc qui a rien à voir. Bah ouais, c'est une bonne surprise, hein, ce jeu, du coup. Je pense vraiment qu'au niveau de la durée de vie, ça doit être sympa, puisque... Allez parler au docteur, champignon de tréfonds. Ouais, je veux bien, hein, mais je sais même pas c'est qui dont tu me parles. Ouais, donc je disais, au niveau de la durée de vie, je pense que... Je pense que ça le fait pas mal, hein. Attends. Ça se trouve, je vais... Attends, qu'est-ce que je fais, en fait, là? Y'a quoi là-bas? Je suis en train de m'éloigner. Bon, bah, c'est pas grave, on fait une visite de l'île, hein, les gars. Au pire, hein. Ah là, y'a des coffres, regardez tout ce qu'il faut, hein. Par contre, j'ai pas de munitions, j'ai Walou, hein. C'est pas grave, je vous fais une grosse vidéo. Ça sera ma plus grosse vidéo jamais faite sur ma chaîne. La plus grosse que j'ai faite, elle durait 45 minutes, je crois. On a battu le record, hein. De toute façon, c'est pas tout le monde qui la finira, cette vidéo. J'en suis sûr. Oh putain, il y a des mecs, là. Je peux pas passer par là, sinon. Je pense que je vais faire... Je sais pas si je peux... Ouais. Ah mais si, regardez! Je suis trop bête. La petite croix. Voilà. Il est là, le docteur. Oh purée, voilà. Eh oui, je suis trop bête. Ah, tout ça, c'est des petits trucs qui... Des petits trucs bah, qui iront mieux par la suite, hein. Je sais pas si je ferai d'autres vidéos sur le jeu ou pas, on verra bien. Hein. Allez, c'est parti. Allons voir le docteur. Quand il fait nuit là. Putain, mais qu'est-ce que je fais? Par là? Eh bien voilà les gars, on y est, donc vous me direz en commentaire les gars si vous voulez voir la suite ou pas de cette vidéo, voilà, moi personnellement ça me plaît, hein. Je vais continuer de jouer tranquillement, et puis j'espère qu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ce jeu ou un autre, comme d'habitude, et merci à vous pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, voilà les gars, allez, bonne fin de journée, d'après-midi, de soirée, tout ce que vous voulez, salut, bye bye, à bientôt, bye bye.